Et salut. Tiens, j'ai oublié un truc. Le titre du stream n'est pas bon. Mais bienvenue quand même sur Another Homepage. Comme toujours, je suis Nils. Alors je suis un petit peu en contre-jour aujourd'hui et il n'y a toujours pas de musique. C'est-à-dire qu'il faut quand même un peu garder de l'air dans le coin, sinon on va crever de chaud. Et j'espère que malgré tout, tout ira bien. Alors on va commencer par... On va commencer par modifier le titre du live, parce que bon, sinon on va avoir des blagues, et ce serait dommage. Hop. Enfin, en tout cas, le titre du live est bon sur Twitch, mais c'est juste le petit... hop. Ici, là, où ce n'est pas bon. Alors, pendant que je modifie ça, ce que je voudrais vous proposer... et ben pour aujourd'hui, c'est de continuer à faire mumuse avec notre bon vieux switch Cisco. J'aimerais faire joujou avec et vous proposer plusieurs, pourquoi pas plusieurs bidouilles qu'on pourrait faire ensemble. Et j'avais mis en titre tout simplement Bidouilles réseau et Cisco. Et ben c'est très bien. Allez, bidouille réseau et Cisco. Hop. Tac. Et là, normalement, tada, ça a changé. Salut Xavier, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon week-end. J'espère que tu n'as pas eu trop chaud et que tu t'es bien hydraté. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'hydratation, hop. De l'eau bien fraîche, hydratez-vous. C'est important. Donc, un autre truc que je voudrais lancer aussi en début de live. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit diagrams.net/draw.io? Si je tape draw.io, ouais, le problème c'est draw.io. Il fait chaud ici, mais orage prévu ce soir. Alors nous, la blague, c'est qu'il y a eu 3 gouttes qui sont tombées il y a genre un quart d'heure. Et en fait, ça n'a pas beaucoup changé les choses. Ouais, on a eu quelques gouttes dans les 2 derniers jours, mais honnêtement, ça n'a pas beaucoup aidé. D'autant plus que la nuit dernière a été un peu pénible. Donc, allons-y. Alors, l'idée dans cette série de live, c'est de... et pour moi, le week-end se termine le lundi soir. Ah oui. Ah bah écoute, tant mieux hein, si ça se termine le lundi soir, le week-end. Je suis content que tu en profites. Avantage de la semaine de 4 jours. J'allais te demander si tu étais à la semaine de 4 jours. Je ne voulais pas trop en dévoiler, mais puisque tu le fais, ma foi, profite bien de tes semaines de 4 jours. Donc a priori, toi, ta semaine démarre le mardi. Ok, bah c'est plutôt sympa. Toute la boîte depuis 2 ans maintenant. Attention, hein, t'es en train de dire où tu bosses, là, grosso modo. Hein. Salut Nidouille, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon week-end. Ouais, j'ai sorti la chemise en lin, histoire de pas avoir trop chaud, parce que, pour être honnête avec vous, je transpire déjà. Alors moi, le week-end, ça a été sportif, littéralement. Et comme je disais, ouais, la nuit dernière a été un peu pénible. Il y a un demeuré qui a décidé de jouer du klaxon de voiture à 2h30 du matin. Et il a interrompu ma nuit. Ouais. Et surtout qu'en plus, je me suis levé tôt ce matin, donc... puisque pour dévier un petit peu des thématiques informatiques, certains ou certaines savent peut-être qu'il m'arrive de pratiquer la course à pied, et il se trouve que aujourd'hui c'était l'Adidas 10 km de Paris, donc j'y étais, et je peux vous dire que dans Paris Intramuros il a fait très chaud, il a fait lourd même en fait, c'était pas juste chaud, c'était lourd, et c'était franchement c'était un challenge hein, d'y aller, d'aller courir là-bas. Bien, alors, ce que j'étais en train de me dire, donc, pour nos histoires de bidouilles réseau avec Switch Cisco, le sport c'est mal, vous voyez. Non, arrête, franchement, je trouve que depuis que je me suis mis vraiment à avoir une activité sportive régulière, globalement, physiquement, je me sens mieux. Franchement, je ne vais pas, comment dire, je ne vais pas vous obliger, de toute façon, qui suis-je pour vous obliger à faire du sport, mais je ne peux que vous encourager à vous trouver, une pratique sportive qui vous plaise. Très important ça, qui vous plaise. Vous n'êtes pas obligé de faire de la compétition, que les choses soient très claires. L'idée c'est juste de se dépenser, mais d'en profiter. Tu es trop vieille pour refaire du hand. Ah, ah ça par contre effectivement... Tu fais du vélo 1 à 2 fois par semaine et ça fait du bien. Bon bah voilà. Alors j'espère que tu fais bien attention sur la route. Mais j'avoue le vélo alors bon, en Ile-de-France je préfère éviter pour être honnête. Rien que la licence classée en ancien c'est psychologique. Ah écoute pour être honnête avec toi moi quand je cours je sais que je suis classé en senior. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas pour une raison très simple, c'est que ce qui m'importe en fait quand je fais les, quand je vais en compétition, bah, comme aujourd'hui à l'Adidas 10K de Paris, c'est plus le fait d'avoir les gens autour de moi. Mine de rien, ça permet des fois de se, comment dire, d'avoir une certaine forme d'entraide, même si elle serait plutôt tacite, et aussi parce que quelque part à la fin il y a la petite récompense selon les événements, il peut y avoir une petite médaille pour les finishers, des goodies ou des trucs comme ça, et c'est voilà, c'est le fait qu'il y a un truc qui est organisé, qu'il y a un chrono aussi, c'est pas tant être meilleur que les autres, mais c'est aussi m'améliorer au fil du temps, même si aujourd'hui je vous avoue que j'ai un peu fait une contre-performance, mais bon, ça arrive, il y a des jours comme ça. Salut Vinichor, j'espère que ça va, j'espère que t'as passé un bon week-end, n'oublie pas de t'hydrater. Et donc, on va continuer. Alors, tant qu'on y est dans l'intro, hein, donc on a causé un petit peu sport. On va aussi causer prochain stream. J'ai indiqué sur le Discord de la chaîne, d'ailleurs que vous pouvez retrouver là-dessous, hein, ou alors vous allez genre par là, puis vous faites !Discord. Je vais sûrement refaire un sport peu apprécié, le tir sportif à la carabine. Alors, peu apprécié, je me doute que, effectivement, tirer avec une arme à feu, c'est pas, dit comme ça, c'est pas très... ça peut paraître un peu fou. Moi, je sais que j'avais eu l'occasion. Oui, c'est ça, les gens voient le négatif. Après, moi, je vois une différence entre le tir sportif qui se pratique dans des endroits qui sont faits pour, et les gens qui vont à la chasse le week-end. Donc finalement quand ils vont à la chasse, et eh ben il y a des risques, il y a des gros risques, et ça par contre moi ça m'embête. Mais faire du tir à l'arc ou de l'escrime, ça reste des armes, et là je et là peu ne fasse. Oui, effectivement. Sauf que effectivement, je pense que les armes à feu, tout le monde pense aux gens qui vont à la chasse le week-end et qui ont un coup dans le pif, si je puis me permettre. Mais par contre, j'avais eu l'occasion d'aller dans une salle de tir quelques fois, il y a très longtemps. Et honnêtement, quand j'ai vu la quantité de précautions qui étaient prises, ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré de voir toutes les précautions qui étaient prises comment dire, au stand de tir, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de drame, quoi. Et effectivement, Vinichor marque un point. Bref, toujours est-il que hop, je disais entre guillemets, en termes d'intro, en plus de mon activité sportive, ce qui serait pas mal, c'est que je vous signale, pour celles et ceux donc qui ne sont peut-être pas sur le Discord de la chaîne, encore une fois, hein, vous pouvez le rejoindre, il se trouve que le reste du mois de juin va être peu riche en stream, puisque globalement, pour le reste du mois de juin, je ne streamerai que le dimanche 25 juin. Donc pas de stream la semaine prochaine, pas de stream le jeudi de la semaine prochaine, le dimanche, enfin, pardon, la semaine prochaine pas de stream, la semaine d'après le jeudi pas de stream, le dimanche donc il y aura stream, et la semaine d'encore après le jeudi il n'y aura pas de stream, et ensuite ce sera le dimanche 2 juillet et il n'y aura pas de stream non plus. Selon les cas de figure, il est possible que je fasse un stream sauvage à un autre moment, mais je ne vous garantis rien du tout. Voilou. Donc ça va être grosso modo un seul stream d'ici au 2 juillet. Voilou pour les, on va dire pour les actus concernant les lives. Est-ce qu'il y a encore un truc sur lequel on drift, ou est-ce qu'on repart sur notre petit, notre fort sympathique et ancien Switch Cisco? Ah bah, merci Chaos, merci beaucoup pour le raid Chaos, 45 personnes en plus, eh bah écoutez, c'est très bien. C'est parfait, venez vous installer. Alors, il se trouve que j'ai traîné un petit peu sur le stream de Chaos avant de lancer le live. Donc, je sais bien que vous avez fait, ma foi, un CTF plutôt sympa. Et merci pour le follow, Not Bad Baki, merci à toi. Et donc, j'en déduis que... Enfin, j'espère que vous avez réussi à finir le CTF qui était sur une thématique Alice au Pays des Merveilles. Je trouvais ça assez sympa. Merci pour le follow, Patrick. Merci à toi, c'est très gentil. Vous pouvez y aller ici, il y a les notifs. Le vilain coco. Bonjour, aujourd'hui c'est Confté plus Enable plus... Alors... le confté on l'a vu, le enable, de toute façon on est déjà avec les droits d'admin, moi je suis en mode l'arrache, et right même, ça c'est le truc à l'ancienne, maintenant on va faire copy run start. Mais right même marche encore. Et donc, Nidouille, non, je n'irai pas au hack, je ne sais même pas quand c'est d'ailleurs. Hop. Alors, donc l'idée, justement, c'est d'essayer de me rafraîchir la mémoire sur les thématiques Cisco, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait, en fait, et je risque de ne pas en faire pendant encore un bout de temps, et j'ai envie, quelque part, de ne pas tout perdre, en fait. Donc l'idée, c'est que je profite que j'ai un vieux Switch qui est là. En plus, c'était l'occasion de tester parce que j'avais récupéré des SFP et une fibre pour brancher avec mon switch perso que j'utilise sur au jour le jour sur mon LAN. Je vais pas remettre la caméra pour vous montrer les deux switches l'un sur l'autre, mais en gros voilà, l'idée c'est juste de pas perdre les, on va dire, la connaissance, la compétence, même si bon, a priori j'ai déjà pas mal perdu déjà, et j'espère que on va pouvoir avancer. Ce qu'on avait vu un peu la dernière fois, je vais repasser tout de suite sur, hop, ici, on va se mettre comme ça, je vais me reconnecter sur le switch. Le mot de passe, il est passé où le mot de passe? Hop, il est là le mot de passe. Tac. Voilà. Et donc, ah oui, je vous ai pas forcément montré, mais globalement, si je fais un petit cat.ssh/config.d/stream.conf, donc déjà sur notre vieux switch, on avait une première blague. Et cette première blague, c'est que le switch est assez vieux. Je vous rappelle que c'est un SG300, un small business. Certains vont peut-être me dire « Ah oui, le Link 6 !» Donc, toujours est-il que c'est un vieux switch, ma foi, un switch qui fait encore plutôt bien le taf. Mais on avait déjà vu, quand on avait activé le SSH, qu'il y avait quelques configurations à faire pour pouvoir utiliser des algos de chiffrement un peu anciens. Nidouille qui me confirme que quand on ne pratique pas, on perd. Pas de soucis, je compatis. Donc, voilà les soucis de Cypher. Donc ça c'est bon. On s'est connecté en SSH. On va se faire un petit show run. Et on avait remarqué un truc, par exemple, c'est que sur ce genre de modèle, vu qu'on est sur des modèles smooth business, il y a quelques limites. Par exemple, vous voyez que là j'ai une interface VLAN 1 et qu'en fait je ne peux pas avoir plusieurs interfaces VLAN avec des adresses IP dedans. J'avais voulu faire une interface VLAN 13 et mettre une IP dedans ou me mettre en DHCP, et en fait il a fait non, t'en as déjà une, tu peux pas. On avait créé donc un VLAN qu'on a numéroté 13 et j'avais branché 3 câbles réseau sur les 3 premières interfaces du switch. Et en gros, ces 3 interfaces-là sont reliées à ma machine HomeLab. La machine HomeLab qui est là, qui est Marvin. Tiens, d'ailleurs, on va peut-être vérifier si on fait un show inter status. Et on remarquera que les 3 interfaces, elles sont up. Et ça me manque, kikine un peu. IP-4-O. AS, et à mon avis non, c'est bon, il n'a pas chopé d'IP IP link IP link up, mais pas de c'est bizarre, je crois que le DHCP m'avait pris les trucs. Ah, mais je suis dans le VLAN 13, donc c'est bon, il n'y a pas de DHCP dans le VLAN 13. On est tranquille. Voilà. Ok. Tout va bien. Tout va bien, je contrôle la situation. Donc, en gros, parmi les trucs que j'ai envie de faire à terme, et qui vont me faire un peu retravailler les compétences Cisco que je suis en train de perdre. Donc, j'ai 4 interfaces. Hop, j'ai 4 interfaces sur la machine de HomeLab. Les voilà. Voilà. Et en gros, donc il y en a une qui sert, pour la connexion au réseau local. Donc jusque-là, tout va bien et elle ne bougera pas. Je ne veux pas y toucher pour ne pas prendre le risque de perdre l'accès au HomeLab, même si le HomeLab a un out-of-band, ce serait quand même un peu casse-pied. Et sur les 3 interfaces qui restent, il y en a au moins 2 que j'aimerais mettre en LACP. Alors, on va peut-être pas effectuer la configuration LACP sur la machine HomeLab directement. On avait fait un petit test la semaine dernière, on avait remarqué qu'on avait pu attribuer une interface réseau directement dans une machine virtuelle. Donc, je pense qu'on va très probablement faire joujou avec ça. et peut-être en profiter pour essayer divers trucs et voir si s'il y a moyen, par exemple, de faire notamment du trunk, parce qu'après tout, on peut, comme ça, on pourrait peut-être mettre un firewall ou un routeur sur une seule interface physique, par exemple, ça pourrait être marrant. Voilà un peu les, on va dire, si on peut dire, les objectifs. Salut à toi Nebed, j'espère que ça va, j'espère que tu as passé un bon week-end. Que tu n'as pas trop chaud et que tu n'oublies pas de t'hydrater. Donc... si je reprends, j'étais en train de me dire, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer de faire un schéma? Alors, je suis pas forcément fan du switch routeur, non. Ici, il fait chaud du froid. Oula, c'est un peu bizarre, Nebed. Switch off, switch on. Bon, résultat. Attends, il n'y a pas un bon vieux... MISC, arrows, flowchart, UML. Alors si je tape Cisco Switch, ça fait quoi? Cisco Switch. Hop. C'est quantique. L3, non. Ah, effectivement, c'est quantique. Ouais, mais non, il n'y a pas le bon vieux. L2 Switch, L3 Switch. Ouais, mais non, moi je voudrais un Switch. Je voudrais du Switch et du routeur. Layer 3, Nexus, 5K Switch. Ouais, mais non. Fiber Channel non plus. Access. Si je fais un more result, il y a quoi? Ou alors... ah ouais, non, parce qu'en fait, dans mes trucs HomeLab, Labo Réseau, c'était des routeurs et des serveurs. Donc, en fait... bon, on va prendre ça. Hop, allez. Donc, ceux qui viennent du raid de Chaos... est-ce que vous avez... tiens, d'ailleurs, je vais faire un petit shootout. Hop. Chaos. Hop, voilà. Est-ce que vous avez fini le CTF? Est-ce que vous avez fini par avoir l'accès route sur la thématique Alice au Pays des Merveilles? Donc, j'ai mon switch. Je vais vouloir faire... je vais vouloir mettre... bon, écoute, il est écrit L3 switch, mais ce sera un routeur, on verra ce qu'on en fera. Hop. Un peu gros, mais à la limite, c'est pas plus mal. Hop. Yep, il a terminé dans les temps hors blabla. Bon, bah c'est cool alors. C'est cool. GG, Chaos. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait se... ah oui, c'est vrai que oui, il y avait aussi carrément des petits schémas comme ça, mais bon. Donc pour le moment, on a globalement deux switches. On a deux switches qui sont reliés avec une fibre. Hop. Non, hop, pas ça. On va se mettre ici. Et on va se mettre là. Hop, le truc, on va essayer de lui mettre 5 points d'épaisseur, ce sera déjà pas mal. Voilà. Là-dessus, pour le moment, alors, ce qu'on va sans doute faire, là, on va l'appeler HPE, parce que c'est un switch. On va l'appeler HP tout court. Non, HP1810G, parce que c'est le modèle. Et ici, on va mettre Cisco SG300. Et donc, pour le moment, on a ici un lien fibre. Pour le moment, en termes de VLAN, le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai deux VLAN sur mon switch. J'ai un VLAN... hop là. J'ai un VLAN 1, que je considère comme VLAN poubelle. Et j'ai un VLAN, alors j'ai pas de routage, hein, c'est juste comme ça je peux brancher tranquillou. Et j'ai un VLAN 6 qui est entre guillemets bah, le VLAN où il y a toutes mes machines. Sauf que ce VLAN, dans les deux cas d'ailleurs, les VLAN ne sont pas tagués. hop, VLAN, hop. Et merci pour le follow, les org managers. Merci à toi. On va peut-être même, hop, on va passer à 20 points. Tac, comme ça c'est un peu plus lisible. Vous me dites hein, si jamais le schéma est trop petit, s'il n'est pas lisible. Salut The Vengeur. Ouais, il n'y a pas de souci. Bah écoute, bonne cuisine. Merci de passer en tout cas. Alors du coup, The Vengeur, hein, tu vas pas pouvoir voir mon joli schéma, mais c'est pas grave. Et pour le moment, ici on a un VLAN 1 et on a un VLAN 13. Ce que je suis tenté de vous proposer... Tu switches, roulement de tambour et nez de clown, bonne fin de journée. Pas de souci Patrick, merci d'être passé, merci encore pour ton follow. Et puis bah, si tu veux, il y aura le replay de toute façon. Si jamais tu as envie de voir la suite. Et d'ailleurs, si tu as même envie de voir les épisodes précédents, en tout cas au moins le précédent. Hop, tac. Ce que je suis en train de me dire, c'est que je vais vouloir rajouter... Je vais vouloir rajouter le VLAN 6. Le VLAN 6 dans mon Cisco SG300. Et ce que je vais sans doute faire, c'est que la liaison ici, la liaison fibre. Hop, on va faire ça. Liaison fibre. Hop. Et tu vas te mettre en 20 points aussi. Hop. Non, peut-être pas 20. On va peut-être mettre 16. Hop, voilà. Et la liaison fibre, en fait... Comme ça, on aura les mêmes ID de VLAN de chaque côté, en fait. Et le VLAN 1, j'espère ne pas avoir à m'en resservir, en fait, du côté du Cisco. Et ce que je voudrais ensuite faire, c'est avoir à un endroit une interface, je ne sais pas encore laquelle. Enfin, j'en ai une vague idée, mais je ne suis pas encore sûr de moi. 5 points. Hop, allez. 5 points. Et ce que je me dis, c'est que ça pourrait être amusant que cette interface-là... Donc, on a une interface trunk. Trunk. Et que sur cette interface, on y mette VLAN 6 et VLAN 13. L'idée étant que au bout, on mettra un routeur ou un firewall, on ne sait pas, je sais pas, on pourra peut-être mettre un OpenSense par exemple ou un VIOS, je sais pas trop encore. Pourquoi pas, tiens, histoire de faire le lien avec les lives des jeudis derniers, on pourra peut-être mettre un truc BSD, genre un pfSense, un OpenSense, on verra à ce moment-là. Un IPFire au pif. Et puis bah, on le mettra finalement sur une seule interface physique en fait. Et ensuite on pourra avoir pourquoi pas sur deux autres interfaces les mettre en LACP et les mettre uniquement dans le VLAN 13. Mais ça pourrait être une idée. Alors par contre, ce qui se passe, c'est que là, dans l'immédiat, si je fais un petit showrun, vous allez remarquer que pour l'instant, mes interfaces, alors j'en ai que 3 de configurer, et si je fais un show interstat, hop, pour le moment, bah, en gros, tout est off. Donc, ce que je me dis, c'est que on va rajouter de VLAN 6. Et on va mettre l'interface GI27 qui est là. Et on va la mettre dans le VLAN 6 aussi. Alors, pour éviter de se couper la patte sur laquelle on est, parce que là on est... En fait, je suis en SSH, donc je suis via cette connexion fibre. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici. Et on va relancer Minicom. Minicom. Tac. Admin, et on va voir par là le mot de passe, voilà, très bien, on va se déconnecter de ce truc là parce qu'à mon avis, de toute façon le truc va chouiner, voilà, et ensuite, Alors c'est dommage, il n'y a pas d'historique des commandes, parce que sinon je me serais bien... je me serais bien... hop, conft VLAN database, hop, et on va pouvoir faire VLAN 6, tac. Ensuite, salut Fixoulab, j'espère que ça va, j'espère que tu as passé un bon week-end, que tu n'as pas trop chaud et que tu t'hydrates avec de l'eau, hein. Avec de l'eau, pas avec autre chose. Parce que certaines boissons fraîches, à base de houblon ou de vin, ou de vin fermenté, n'hydratent pas vraiment. Donc j'ai créé mon VLAN 6, ça c'est cool. On va retourner en conft, on va faire interface do show interface VLAN. Non, bon, bah, on va revenir en arrière. Si je fais show, show run inter VLAN 1, voilà. Tu t'hydrates avec de l'eau chaude, Nebed. Tu bois du thé? Le vin fermenté, c'est du vinaigre. Ah, oups. Alors, bah, conf t, on va faire inter VLAN 1, on va faire no IP adresse. Oui, bah oui, on veut. Voilà. Puis on va faire shut en fait. Tac. Voilà. Ensuite, on va refaire conf t de nouveau. Interface VLAN 6. On va lui dire, toi, tu vas te mettre comme ça. Oui. Toi, tu vas te mettre en OIP DHCP. OIP adresse DHCP. Oui. Voilà. Je me demande s'il fallait pas que je refasse ça. Oui. Étrange, après, j'ai encore plus chaud. Non, juste de l'eau chaude. Ah. Pourtant, il y a des gens qui... Enfin, à une époque, on m'avait dit que finalement... Ah oui, c'est le raisin fermenté, pardon. Pas le vin fermenté. Désolé, Nidouille. Vous voyez bien, j'ai chaud. Hein, donc, en vrai, voir de l'eau tiède quand il fait chaud, c'est pas mal, car si tu bois trop froid, ton corps se réchauffe. Alors, sur l'eau froide, j'avais cru comprendre qu'effectivement, si on boit de l'eau trop froide, on peut avoir des petits soucis digestifs. Et que ouais voilà, c'est pas forcément très bon de ce côté là, et que à boire de l'eau effectivement plutôt tempérée, des trucs comme ça, ça évite d'avoir un trop grand écart de température. J'en étais où moi? Bah oui, maintenant que ça, je suis là dedans, si je fais un show running interf, non, show run inter status, non c'est show inter status, oula, inter status, voilà, et ce que je veux c'est faire un show run inter gi27, hop, qui a priori est une conf vide. Par contre la 1 on a des trucs, donc on repart en conf t, inter gigabit27, et ce qu'on va lui faire c'est qu'on va faire description. On va l'appeler uplink. Voilà. Ensuite, switch port. Alors pour l'instant, on va le mettre en mode access. Ben oui, c'est la 27, donc c'est l'uplink, donc elle est en mode access. Elle sera en mode access, et le VLAN sera sur le VLAN 6, et switch port. Je sais qu'il y a une commande pour mettre le VLAN natif. On en arrive à parler température de l'eau, c'est dire si Cisco nous intéresse. Non mais il n'y a pas de souci, The Vengeur. On peut très bien faire un truc et parler d'autre chose. J'en étais où, moi? Le VLAN native, ouais, ou default VLAN, tiens. Ce serait pas celui-là. Switch port. Default VLAN. Ok, c'est bien celui-là. Hop, default VLAN 6. Tac. Comment ça? Tagged. Ah, bah non. C'est pas mode, peut-être. Non. Non. Bon. Bah, c'est peut-être, de toute façon, il n'y a qu'un seul VLAN, donc ça va aller. Si je fais un showrun, on a quoi? Alors, on a bien notre VLAN 6, notre VLAN 1 qui est shut. Ça, c'est cool. VLAN 13, VLAN 13, VLAN 13. Et la 27 qui est en VLAN 6. Ok, donc on va faire un petit cop run start. Switchport trunk native VLAN. Ok, CAF35. Donc c'est cool, ça me rassure. C'est trunk. Donc ça veut dire qu'on le fera. On le fera sur l'autre interface. Donc normalement, si j'ai pas fait de bêtises, là on est up, ok. Et je suis toujours en 6213, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller, tiens, sur ma machine ici, et normalement, ça ping toujours. Donc jusque-là, tout va bien. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est très chouette. Je crois qu'il y a des voisins qui font un barbecue. Ah non, non, c'est peut-être pas un barbecue. Ça sent plutôt la friture. Ah, on va avoir des voisins qui font de la friture. Donc, maintenant que j'ai mon VLAN, ici sur ma liaison fibre, donc liaison fibre, on va pouvoir rajouter tac VLAN 6, on va dire untagged. Hop. Ce n'est pas un barbecue, c'est un incendie, tout va bien. Sans forcément dévoiler où j'habite, je crois que c'est l'année dernière, ou en 2021, qu'on a eu un incendie. On a eu un incendie une nuit. Alors nous, moi, j'ai rien entendu bizarrement. J'ai rien entendu, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me réveille un matin et puis je vois qu'un des immeubles sur lesquels j'ai vu, il y a grosse trace noire au niveau de la fenêtre. Donc bon, gros. Donc bon. Ah, aussi un incendie cette semaine, mais magasin de meubles. Oula, alors magasin de meubles, ça a dû être terrible. Aussi. Mais à la limite, si c'est un magasin et que ça a eu lieu comment dire, genre en pleine nuit ou en week-end, on peut se dire qu'il n'y a eu que du dégât matériel. Dans mon cas de figure, j'ai pas eu de déco, donc a priori pareil, hein, l'animalerie à côté plein de... Ah non, là c'est triste, non, Nidouille, non, non, là c'est triste, c'est triste. Oh, je suis tout triste là. Tu as le même super pouvoir, ta voiture a été incendiée une nuit, tu t'es pas réveillé, t'habitais au rez-de-chaussée devant le parking. Ah ouais, quand même, dis donc, t'as le sommeil lourd, The Vengeur. Enfin, après, moi j'ai quand même entendu le mec klaxonner cette nuit à 2h30 du matin. Donc, maintenant on a un VLAN 6. Voilà. Et ce que j'aimerais faire... Ah bah non, pas nous. Ah non, 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 qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qui me fait Virt Manager? Alors l'autre jour, il voulait pas se connecter en local, mais il voulait se connecter en remote. Ouais, non, normal, connexion non active. Mais si je édite connection details, QM, KVM, QM, SSH, Nils, new Marvin. Ouais, ça c'est bon. De toute façon, si je fais SSH, new Marvin, normalement ça marche. Ouais. Les employés ont fait ce qu'ils peuvent. L'incendie. Ah oui, 2 heures quand même. Alors, remarque, c'est il y a des incendies qui durent beaucoup plus longtemps. Hein. Allez, on va faire connect. Connecting. Tic-tac, tic-tac. Est-ce qu'au moins, VirSH sudo VirSH list. Ah. Ah. Donc effectivement, il y a peut-être un souci du côté de Libvirt. CTL, Libvirt, est-ce qu'il y aurait un souci? Active, running, machin. Alors, est-ce qu'il va falloir que je reboote la machine? Allez, on va débugger du Libvirt. Non, il n'y a rien. On a dit quoi au niveau des... Il y a un libvirtd.service. Libvirtd. Alors, il est active running. Je vois pas d'erreur à ce niveau-là. Si je le relance... Si je le relance. Internal error, cannot find start time for PID machin, Libvirt version 9. Ok. Et ça s'est remis. Ok. Ok, très bien. Bon, bah il avait un pet au casque et puis ça s'est résolu. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait tenter comme truc marrant maintenant que j'ai un VLAN. J'ai une liste de VM assez effarante, mais beaucoup d'entre elles sont éteintes ou pour d'autres usages. Ce qu'on va faire, tiens, ce qu'on va faire, c'est que je vais configurer tout de suite le trunk et on va essayer un truc. Alors. On va revenir là, on va voir si déjà je peux toujours m'y reconnecter. Et oui, je peux. Tac. Ensuite. Ensuite. Je disais, on va peut-être essayer de faire le trunk. Alors le trunk, on va le faire sur la gigabit 1. Donc, pour le moment, la conf, c'est ça. Ah bah oui, si je disais l'interface. Voilà. Si je lui dis... no switch port node access. Non, il n'est pas content. Ah, faut que je lui mette. Allez, switch port. Si je dis mode trunk, tac. Switch port. On avait dit quoi tout à l'heure? Alors, on avait dit que le VLAN natif, switch port trunk. allowed VLAN, et ensuite eh ben, on va lui dire les VLAN 6 et 13. Alors, petite blague. Je vais vous montrer un truc marrant. Donc là, je lui donne la liste des VLAN ajoutés. Ok. Donc là, comment ça y est, 6, 13. Il n'y a que AD remove direct? Non. Ah, on peut que faire du add ou du remove. Ah mais du coup, il n'y a pas de blague. Parce que si je fais 6-13 comme ça, il n'en veut pas. Alors, en fait, on ne peut pas faire la blague avec ce switch. Mais je veux quand même vous la raconter. Sur des switches plus haut de gamme, sur des switches beaucoup plus haut de gamme de chez Cisco, on peut faire une commande qui est à peu près celle-ci. Je dis à peu près parce que si ça se trouve... si je crois que j'avais ça au niveau de la syntaxe. Et en fait, lorsque vous faites ça, vous ne faites pas un ajout de VLAN. Vous définissez une liste de VLAN autorisés. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on a une liste de VLAN autorisés et qu'on n'a pas juste un ajout de VLAN comme ça? Et ben, figurez-vous que si vous vous dites je vais ajouter juste un VLAN ou un autre et que vous ne faites pas le add, ben, vous remplacez la liste des VLAN par un seul. Et potentiellement, ben, vous coupez toute une partie du trafic. Surtout si les VLAN sont utilisés. Une catastrophe est vite arrivée lors d'intervention sur la diffusion de VLAN sur cette gamme de switch. Oui. Et je dirais même, le vilain coco, il y a ceux qui n'ont pas fait la catastrophe, et il y a ceux qui vont la faire. Enfin, il y a ceux qui l'ont faite et il y a ceux qui vont la faire. Moi, je suis dans la première catégorie. J'en suis pas fier, je suis resté dans la deuxième pendant longtemps, mais à un moment... Oui, c'est ça. L'erreur avec un copier-coller PPGui, d'ailleurs salut à toi, et ceux qui vont la refaire. Alors j'ose espérer que je ne vais pas la refaire, mais bon, bref. Donc, VLAN add, donc on ajoute le VLAN 6, on ajoute le VLAN 13, et ensuite switch port trunk, donc on avait dit native VLAN. Et ce qu'on va faire, c'est que le VLAN natif, ce sera le 13. Une fois que ça c'est fait, j'ai fait mon petit CTRL Z. On va faire un petit show run inter, on était sur laquelle gigabit 1 de mémoire. Voilà. Et donc voilà, il dit natif VLAN 13 et il ajoute le 6. Ok. Ok, très bien. Ouais, non, flash de points. Ok. Et il n'y a pas de... Oui, je veux le delete. Ok. Lui, par contre... Non, il veut pas. Ok. Je me disais, en fait, le copier run start, le cop RS, pour le faire en plus court, je me suis dit, si ça se trouve, c'est à cause des fichiers syslog, mais en fait, les fichiers syslog, on ne peut pas les supprimer, on dirait. Bon. Tant pis, c'est pas grave. Chez un ancien client, nous raconte le vilain coco, les margoulins... Déjà, ça commence bien. Ça commence bien. Les margoulins de la DSI avaient sur les TACAX interdit la commande switch port trunk allo VLAN sur les switches. On avait le droit qu'à du VLAN add et remove. En soi, c'est peut-être pas bête. Mais j'imagine que si tu les appels des margoulins, c'est que plus d'une fois, ça t'a embêté, et embêté beaucoup. Voire même embêté à des moments où tu avais vraiment besoin de faire quelque chose d'urgent et que tu avais besoin de faire du Allo VLAN sans le AD, enfin, sans le AD remove. Donc j'ai sauvegardé ma conf, j'ai mon... J'ai mes interfaces, donc lui, il est bon, lui, les trois sont up. Je crois que je peux faire un show VLAN. Voilà. Donc on a dans le VLAN 13, on a les interfaces 1 à 3. Dans le VLAN 6, on a en non tagué le 27 et en tagué le 1. Et tout le reste est dans le VLAN 1. Tout le reste est dans le VLAN 1. Bien. Ça, c'est cool. Ensuite, donc maintenant que j'ai mon interface GI27. Non, mon interface GI1 qui est connectée. Donc on va pouvoir se faire une nouvelle VM. Voilà. Alors maintenant, tiens, on va peut-être lancer un sondage. On va lancer un sondage, tiens. Est-ce que je peux faire un petit sondage par ici? Alors, ça c'est quoi? Non, ça c'est... Ah, gérer les sondages, voilà. Salut Unixé. Alors, créer un nouveau sondage. Question, quel distro de firewall on met? Donc... IPFire, pfSense, OpenSense, Dimfy, soyons fous, et est-ce qu'on met VaiOS? Non, je pense que déjà 4 choix, ce sera pas mal. VaiOS, je crains qu'on se... Je crains qu'on se casse la tête. Donc, durée... 2 minutes. Voilà. Allez. C'est parti. J'espère que tu vas bien, Xavier. J'espère que tu as passé un bon week-end et que tu n'as pas trop chaud et que tu t'hydrates. Tac. Pendant ce temps, moi, ce que je vais vouloir faire... Dans un premier temps, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va aller récupérer notre machine de client. Tiens, ça nous m'évitera de réinstaller une VM. Et ce que je vais faire, on va l'ouvrir. On va prendre l'une des interfaces physiques. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui dézinguer... peut-être pas, non. Je vais peut-être pas lui dézinguer l'interface. Je vais en ajouter une. Bah écoute, moi, je suis un petit peu fatigué, mais ça va. J'ai eu une activité sportive intense ce week-end. Je suis allé courir. Et avec cette chaleur, c'est pas évident. Donc, ce que je veux, c'est carrément du hardware et c'est PCI host device. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... Hop, alors... Elles sont où les interfaces réseau? Elles sont là. Donc celle-ci, on va pas la prendre, sinon on va se couper, la orange sur laquelle on est assis. Celle-ci, c'est la trunk. Donc on va prendre la... F0, F2, hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver celle-ci. On va faire apply. Et donc, je dois avoir contrôleur. Ok. Donc maintenant, si je démarre. Alors, voyons voir les résultats. Et... ah, vous avez décidé jusqu'au bout d'aller... Error starting, FWL test is not active. What? Non mais c'est pas grave. Ah, c'est à cause du network qui est inactif et il le veut quand même. Il le veut quand même. Ok, pas de souci. On va activer le réseau de test de nos firewalls de l'autre fois. Mais c'est pas grave. On s'en servira pas. Le support, tu te le réserves pour la semaine. Le week-end, c'est paresse. Oui, mais figure-toi que toutes les courses à pied que je pratique, que je fais, les compétitions que je fais, elles ont toutes lieu les dimanches matins. Alors, une fois que ça c'est fait, on la relance. Et là, cette fois-ci, je fais de la course à pied. Alors après, bon, quand je parle de compétition, moi, c'est plus pour me donner des échéances, hein. Je ne suis pas un sportif de haut niveau. C'est vraiment de la... C'est vraiment pour me maintenir en forme. Mais la compétition permet d'avoir une sorte de carotte, on va dire. Donc, c'est ça, c'est pas ça. Ça me permet d'avoir des objectifs personnels, exactement. Donc, il essaie de se connecter sur une carte Intel. Bon apéro Nidouille. Donc on a bien une carte Intel, mais sur laquelle il n'arrive pas à se connecter. Forcément il n'y a pas d'autre machine. Voilà, STP status forwarding, tout va bien. Ensuite eh ben on va faire joujou avec IPFire, hein. Vous l'avez voulu. Vous avez décidé de me pourrir jusqu'au bout avec IPFire. Intel Virtual EMI. Ah oui, tu veux regarder le driver? Pas de souci. Si je fais un petit... Hop. De quoi non, Nidouille? Pour IPFire? Ouais, bah écoute, je me suis... comment dire, j'ai fait un sondage, hein, et le résultat, je vais vous le montrer, hein, parce que je ne l'ai peut-être pas montré en live, mais je vais vous le montrer. Hop, voilà, il est là le résultat. Le résultat, il dit que... 4 personnes veulent du IPFire, 3 voulaient de l'OpenSense, et le reste, tout le monde s'en moquait. Des gens sont sadiques. Oh, c'est... C'est très certainement le cas. C'est très certainement le cas. Ou alors les gens sont très, comment dire, taquins. Taquins, je pense. Pas sadiques, taquins. Bon, il est où notre module Intel? Juste pour... Oui, oh, ça va, t'inquiète, je vais t'en faire un de... Nostalgique. SND, HDA, Intel, oui, mais non, c'est pas ça qui m'intéresse. Tac, 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 Virt.io net, oui, non. C'est pas le modèle... Allez, sudo dmesg. IGB. Ah, c'est le driver IGB, a priori. Voilou Nidouille pour le driver. T'aurais dû mettre une carte Virtaio. Alors, là, dans l'idée, c'est vraiment de profiter de la carte physique. Parce que là, là ce que j'ai fait, je vais te le remontrer, Nidouille. C'est que là, tu remarqueras qu'il y a une seule interface réseau sur dans cette VM. Et cette VM, alors je ne suis même pas en bridge, c'est pire. Tu remarqueras qu'en dessous, là, j'ai un PCI, j'ai un périphérique PCI qui est rattaché à la VM. Et on est bien sur un device Intel i350. Voilà, je suis en passe-trou, tout à fait. Donc c'est juste pour, c'est juste parce que j'ai pas envie en plus d'essayer d'aller configurer les VLAN en VM avec des interfaces virtuelles. Donc je pique l'interface physique et ça m'évite d'avoir à configurer le HomeLab ou un truc en plus qui risquerait de tout casser. Là au moins comme ça je m'amuse avec un peu moins de risque. Donc maintenant que j'ai ma VM, bah, je vais peut-être installer un autre IPFire que celui qu'on avait utilisé pour les autres streams. Donc allons-y. Alors, browse. Il est où notre boot? IPFire, le voilà. Tac, on va mettre Linux. Générique Linux 2022. Forward. On va lui mettre 4 vCPU, on va être généreux. 25 Go, ce sera très bien. Ensuite, on va personnaliser l'installation et on va l'appeler autrement. On va l'appeler VLAN, VLAN Fire, tiens, allez. Et il va demander à son graphiste de faire une image ou Beastie en broche IP Fire. Oh finish. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va être un peu alors. Eh ben en fait, on va juste faire on va refaire un pass-through, on va enlever l'interface virtuelle qui est là. Donc je la remove, hop, remove hardware. Voilà. Et add hardware, et on va rajouter un PCI host device. Et ne me dites pas que... Non, j'ai pris celle-là normalement. Dites-moi pas que je me suis planté d'interface. Si, je me suis planté d'interface, puisque j'aurais pas dû prendre la S0F2, j'aurais dû prendre la S0F1. Allez, on change. Sudo power off. Allez, hop, je la retire, remove, voilà, j'ajoute à nouveau, on prend un PCI host device et on va chercher la S0F1. Oui, tout à fait, Nidouille. C'est assez, d'ailleurs, c'est un peu, réponds-nous, 42, bah 42. En fait, c'est juste que historiquement, la machine que j'avais commencé à utiliser pour faire mes bidouilles, c'était l'ancien PC de Studio Cyanotype. Et en termes de charte de nommage ici, certaines machines ont des noms de robots. Donc... Donc la machine historiquement s'appelait Marvin, mais depuis c'est plus là vraiment la même machine. Donc je ferais peut-être mieux de la renommer. Mais j'attends pour ça de faire une réinstall complète avec probablement un autre système que Fedora, on verra bien. Je ne garantis rien. Il faudrait que j'ai la motivation pour ça. Dans l'immédiat, je n'ai pas vraiment de temps. Donc j'ai changé l'interface réseau. Hop, donc on va pouvoir reprendre ici. Je fais cancel. On va rajouter un hardware. PCI host device et je peux prendre la S0F2. Et donc il faudra que j'utilise la F3 et la F1 si je veux faire du ok, non, ça c'était Firewall Test Client, donc elle est là, elle est en train de démarrer. Et toi, hop, on disait F0, S0, F2. Tac. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir faire Begin Installation. On va passer quelques minutes à installer un IPFire. On va se mettre ici. On va agrandir ça. Comme ça, et la vue, voilà, en anglais, démarrer l'install, on accepte la licence, oui, on va effacer, on va rester en LXT4, je crois qu'on avait planté l'install quand on avait voulu faire en XFS, si je me rappelle bien, hein. Donc c'était pas encore stable. Enfin, je dis pas que XFS n'est pas stable. Fire a été installé. Ok, rebooter. Allez, démarre. Bon, je suppose que tous les débianeux et toutes les débianeuses du coin sont en train de faire leur dist upgrade. Hop. VLAN Fire. Local domain, ouais, c'est très bien. Password. Admin. Eh ben écoute. Voilà. Alors, on va faire green plus red. Ce sera très bien. Ok. Ouais, green plus red. Note 9 cards. Oh, attends. Voilà. Alors. Drivers and card assignment. Voilà. Donc, green. Identify. Oui, ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah là là. Est-ce qu'il gère les VLAN ou est-ce qu'il faut que je lui mette d'abord un... Si je fais select. Missing an IP address on green. Ah, tu m'embêtes. Ok. 168.130.1. Hop, hop. Ok. Non, mais ça, je l'ai fait, c'est bon. C'est fait. Ça, c'est fait. Ignorer. Voilà. Oui, on a compris. Il est vraiment bête, hein. Il est vraiment bête, IPFire, hein. Alors, est-ce que on a réussi à avoir du... Tac. Si je reviens... Ah mais non, je suis dans la chemin. Donc il a même pas monté le... Connecting... IPFire, c'est une blague masochiste. Ça a l'air d'être parti pour être effectivement une blague... Non, sérieusement, c'est... Juste pour la blague. Hein. Allez, hop, IPFire VLAN, parce que là... setup VLAN, getting started with IPFire. On peut pas le faire depuis l'install ? Rerun setup add blue or orange zone dont assimilate pour en saison 1 config. Limite il aurait fallu que je ouais non ça on s'en fiche. Limite, il aurait fallu que j'ai deux interfaces physiques. Ah, voilà, use one NIC and VLAN. C'est très bien, c'est ça qu'on veut faire. Sérieux? On peut pas. On peut pas. Voilà. Ouais. Donc en gros, ils veulent pas le faire. Bon, bah désolé, hein, on va passer sur une autre solution. C'est pas que je veux pas, hein, mais c'est que on peut pas. Allez, on va détruire la VM. T'es où? Hop, VLAN Fire. Allez. Delete. On va peut-être d'abord la shut, juste au cas où. Je vais passer au suivant sur la liste, hein, parce que je ne vais pas vous refaire un... Comme dirait Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Allez, on efface. Voilà. Et on va en refaire une. New. Donc je vais utiliser OpenSense, puisque c'était le deuxième choix sur la liste. Ça m'évite de relancer un sondage. On va mettre FreeBSD 13.1, même si on est en 13.0. Ouais, 4096, 4 vCPU, c'est la fête, 20 gigas, c'est bon, et on va l'appeler VLAN Sense. Hop. Donc on va faire pareil, hein. Alors, comment ça IDE CD-ROM? Ah, Serialata, attends, Virtaio, ça c'est bon. L'interface réseau, là, je la fais sauter. Comme ça, on sera que sur l'interface physique. Et donc, on vient prendre un PCI host device, et on a dit qu'il fallait prendre la ENP4 S0F2. Voilà. Et on peut démarrer l'installation. Hop, on va rezoomer, comme ça vous aurez une belle vue. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je vais peut-être en profiter. Pour essayer un truc. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire admin ici. Hop. Hop. Voilà. SP. Alors. Ce qui me réclame un mot de passe. Je voudrais en profiter pour sauvegarder la conf du switch, on sait jamais. Et je crois que... Ah bah non, c'est plus la même IP. Donc forcément... Et notre new Marvin, il est en 634. Hop là. Voilà. Connection closed. Ah, comment ça, il veut pas? Si je le tente en 6 points... Ah, mais attends. 2 slash. Non plus. Et si je le tente la 1. Non, c'est pas la 1. Manque pas 2 points. Ben, d'après leur truc, ils disent copie image. Ils mettent pas les 2 points. Ah, il faut que je fasse username, 2 points, password. Il va peut-être pas me... Alors, 6, on va dire 34. Et on va faire Nils at. Il va peut-être me tromper pour le password. Invalid format of user authentication data. Ah, l'effet démo. Non, non. Hop. Donc... Ok. Donc, hop. Ah non, il n'en veut toujours pas. Ah, ça doit être le serveur SSH qui est complètement fermé. Enfin, fermé, qui n'a pas les bons ciphers. Donc, le truc doit se viander. La question que je me pose, c'est est-ce que maintenant, moi, est-ce que je peux faire un SCP ou un SFTP? Si je fais un SFTP, on avait dit, si je fais un SFTP comme ça, je suis pas sûr qu'il le... Hein? Ah bah oui, forcément, c'est pas le bon mot de passe. Moi, je voulais juste en profiter pour passer le temps pendant que l'autre truc démarrait, mais non. SFTP, il n'en veut pas non plus. Bon, bah on se montrera à un moment un serveur TFTP pour faire du backup de conf. Donc, il m'a mis sur le LAN, sur l'IGB0. Il m'a mis 188.1.1. C'est cool. Si je reprends ma machine ici, il est connecté. Et pourquoi il me parle d'une update? Pourquoi il me parle d'une update? Donc je suis bien à 1.100. On va lancer notre navigateur. Si je vais sur 192.168, ça va être .1.1. Alors du coup, ce ne sera pas un pfSense. Avancer. On accepte le risque, on est sur un OpenSense, et le mot de passe par défaut de... c'est pas OpenSense. Bon, il nous a mis un mot de passe. Je ne me rappelle plus. Hop. Ah non, c'est qu'il faut que je fasse install en fait. Merci beaucoup pour le follow, Liboy. Merci à toi. Faut que je fasse l'instant là. Ah non, je l'ai pas fait. Là pour l'instant, il a démarré en... Donc il faut que je me log out et que je fasse install de mémoire. C'est pas install ou installeur? Install. Bon, on va aller chercher la doc. On va pas s'embêter la vie. Hop, OpenSense. Alors, blablabla, blablabla. Bla bla. Ok, installation média, ça on a. Ok. Live environment. Ah, faut juste que je dise installer. Et si ça se trouve, il n'y aura pas de mot de passe. Et merci beaucoup pour le follow, Skyvador. Merci à toi. Alors, hop, installer. Voilà. Password, aucun. Non. Bah alors. Ah. After booting. Ok. Le firewall va être en environnement live et on ne peut pas utiliser l'importeur, ok? Mais on peut interagir avec la GUI ou du SSH. D'ailleurs, je vais zoomer. Et la GUI étant 111, route OpenSense. Ok. Donc, je peux aller ici et je peux faire route, voilà, OpenSense. Tac, don't save. Ok. Mais moi, je voudrais bien qu'il s'installe quand même. Je voudrais pas... Et le mot de passe de l'installeur, c'est OpenSense. Ok. Donc, installeur. Voilà. Continue avec le keymap. On va l'installer en UFS. Le disque pour continuer, et bah c'est celui-ci. Last chance, oui on veut. Je suis un peu embêté parce que j'espérais finir ça quand même avant la fin du stream. Réussir à avoir un firewall avec une seule interface physique, mais deux VLAN, moi je trouve ça amusant. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, pendant ce temps... alors je vais peut-être pas me lancer dans l'installation d'un serveur TFTP pendant ce temps, parce que si ça se trouve, l'installation du serveur TFTP va être tellement, comment dire, épique que ça va prendre 2 heures. Je compte sur vous pour le prochain stream qui sera dans un peu longtemps pour me rappeler que dans les bidouilles à faire, on aura aussi le backup de la conf. Hein. Je dirais le backup et la restauration de la conf du Switch. Ce sera très drôle, je pense. Il prend son temps quand même, hein, OpenSense. Je sais pas ce qu'il a. Pourtant, c'est du SSD là-dessous. Amazon livre tard le dimanche, mes plaques Unix. Tes plaques Unix? Alors, est-ce que ce sont des plaques type plaque d'immatriculation? Root password, change root password. Ouais, allez. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vraiment zéro réflexe, réflexe Twitch, de belles plaques Unix, live, free, or die. Je crois que j'en ai une des deux. Alors, on va faire un petit shootout d'abord à, non, pas shield, shootout, à Fixoulab, hop. Voilà. Et ensuite, il faudra que je fasse le shootout à Nidouille. Donc, je vous invite à vous abonner à ces deux gens, si ça n'est pas déjà fait. Hop, ensuite, exit and reboot. Rebooting, on le sait. Ok. Faudrait vraiment que j'arrive à avoir un moyen limite automatique quand Nidouille ou Fixou débarquent, ou Chaos d'ailleurs. C'est shootout automatique. Ce serait pas des plaques donc vert et blanche, Nidouille? La classe VIP. Si, si. Donc, eh ben, je te confirme, j'en ai une des deux. J'en ai une des deux, ouais. Verte et blanche. Ce que je suspecte, c'est que ça vient d'un lot... où par hasard j'ai récupéré la Linux et quelqu'un qui vivrait en ce moment même en Espagne du côté de Valencia aurait la plaque associée Unix. Mais je ne serais pas surpris que ces deux plaques étaient achetées en même temps. La sienne et la mienne. Oui, sauf que, alors moi, vous ne pouvez pas voir ma plaque en stream, pour une raison très bête, c'est que, en fait, elle est au-dessus de mes écrans, pour le moment. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu la... Alors, est-ce que je peux... attention les yeux. Si je fais comme ça, non... Comme ça, voilà, et que on fait hop, nous avons, voilà, la fameuse plaque, puis à côté quelques trucs sympathiques, genre on répare, une petite horloge capulaire, et un truc plutôt sympathique en mode voilà. Mais donc la fameuse plaque, elle est là. Hop. Oui, tout à fait, l'horloge c'est un vinyle. Mais elle a plus de piles et honnêtement, j'ai pas le courage de monter et d'aller changer les piles. Donc, maintenant que c'est configuré, hop. On peut peut-être se reconnecter. On a dit root. Voilà, donc ça y est, pour le moment. Et ben, on va peut-être configurer. Allons-y. On a dit VLAN sense. Tac, tac, tac. Ok, next. TC, UTC, oui. MAC adresse, static IP, non. PPPE non plus, non plus, non plus. Tiens, c'est bien, c'est décoché par défaut maintenant. C'est bien. Next. LAN IP adresse. Alors. Ouais, non, on va mettre 130. Non, on va laisser 1.1. On va pas s'embêter la vie. Root password, bah écoute, on va laisser l'actuel. Hop. Reload. Ok, et ensuite interface. Alors, ah oui, d'accord. Maintenant, on a fini la configuration initiale. Cool. Continue au dashboard. Ok. Donc maintenant, il va nous dire qu'il n'a qu'une interface LAN. Et donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans l'interface. On va aller dans WAN. Non, il y a un autre truc. Il faut aller ailleurs. Assignment. Voilà. Et donc, le WAN. Voilà. Attends, il n'y a pas un truc de VLAN là-dessus? On l'avait vu pourtant. Settings. Ok. Maintenant, je vais pouvoir rajouter... comme disait mon formateur en réseau, ça ping à mort des interfaces virtuelles, les VLAN. Virtual IPs. Settings. Status, non. Alors attends, on va refaire assignment. Parce que je les delete, mais je peux pas en ajouter. C'est quoi cette blague? Ça a changé, IPFire. Ah non, The Vengeur, IPFire ne permet pas ce qu'on voulait faire. Ah bah voilà, VLAN. Tac. Allez. Add. Device. Alors, parent, oui, c'est celui-là. VLAN tag, donc on a dit que ça allait être le VLAN 6. VLAN priority, best effort, ok. Description, one. Bah écoute, on va l'appeler one. Hop. Non, je vais l'appeler VLAN 6. Hop. Maximum de 15 caractères. Starting with VLAN 0 combiné, nanana, VLAN... Alors attends, je peux mettre 15 caractères. Donc VLAN 6, bah, point 1 dans ce cas-là. Non, il veut pas. Starting with VLAN 0. Faut que ça commence VLAN 0. Ah bah VLAN 0.6.6.1. Ça doit être ça. Ok. C'est ça. Ok. Et donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller refaire les assignements. Voilà. Nouvelle interface, c'est celle-ci. One. J'ai dit one. Voilà. Tac. Flowing does not exist. Wait, what? Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Make sure to apply its configuration first. Ah, virtual IPs. Non, on a dit other. VLAN. Apply. Voilà. Non. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à mettre? Non. Allez, on revient. Les assignments. Alors. Ah, mais c'est pas OPT1 que je veux. Qu'elle s'appelle Je veux pas qu'elle s'appelle OPT1. Je veux qu'elle... Je veux qu'elle s'appelle autrement, moi. Description. One. Save. Apply. Voilà. Et on a non enable. Bloquer les réseaux privés. Bah non. Bloquer les réseaux Bogon. Non. IPv4 configuration type. DHCP. Tac, tac, tac. Save. Apply. Et on va y croire. On va y croire. Allez, allez, applique-moi les changements. Ah, ça y est, il a appliqué. On revient dans le lobby. Dashboard. Paf, 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 paf. Il a un LAN, il a un WAN. Et il a bien une IP dans le réseau 6. Oui, voilà. Ça y est. Ça y est. Pourquoi il y a écrit track 6 là-dessus? Interface. LAN. IGB0. Ok. Est-ce que je la mettrais pas volontairement dans le VLAN Ah mais non, normalement le IGB0 c'est juste le réseau non tagué, donc c'est bon. Donc maintenant, si je reviens dans le dashboard, je dois pouvoir faire un check for updates. Puisque je dois avoir des mises à jour vu que j'ai pas la dernière ISO. Et oui, il est en train de me faire des mises à jour. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça veut dire que ce qu'on a réussi à faire grâce au VLAN, c'est qu'ici on a notre routeur et notre routeur, eh ben, il a pu avoir une seule interface physique. Et ça c'est cool. Ça c'est très cool. Grâce au VLAN. Donc le VLAN finalement ça permet deux choses assez sympas. Ça permet d'une part de pouvoir segmenter en plusieurs, on va dire, switch virtuels, même s'il n'y a pas vraiment cette notion de switch virtuel, mais d'avoir deux réseaux, voire même plus, complètement étanches, en théorie, de faire, voilà, d'avoir des réseaux presque complètement étanches sur un même switch. Mais avec le système de trunk, on peut créer, quelque part, on va dire, des portes d'accès entre ces différents VLAN. Bien. Donc ça c'est cool. De fait ici, si je tente d'aller sur au pif Linux à faire, ok, ça fonctionne. Alors c'est peut-être là, non, remarquez 21 mai, Debian 12, le début d'une nouvelle ère. Voilà. Donc ce n'est pas une page mise en cache, puisque on a une actualité très récente qu'on n'avait pas la dernière fois sur cette même VM. Nidouille qui... Ah, alors... Merci Xavier. Les interfaces virtuelles, le LAN... Quoi, ce n'est pas... Non, ce n'est pas moi qui ai fait la news. J'y ai pas vraiment participé à celle-ci. Par contre, moi, j'avais fait la news pour la dernière Alpine, qui date maintenant un peu. Tac, elle est passée où? Ah bah, elle est plus en première page. Hop, Linux, non. Non plus. Voilà, Alpine Linux 3.18. Ça, c'était Bibi. Faut que je trouve une autre thématique sur laquelle écrire pour refaire une news Linux à faire. j'ai envie de me remettre à faire des news sur Linux à faire. Mais il faut que je trouve des sujets sympas et pas trop longs en fait. Parce que ce qui est assez cool avec Alpine Linux, c'est que la release 3.18 était assez intéressante parce qu'il y avait des trucs intéressants à aborder. Je pense notamment au projet Tiny Cloud, qui est une sorte d'alternative à Cloudinit. Donc ça c'est sympa. Une news sur IPFire. Alors Xavier, j'ai comme l'impression que tu que tu es très taquin. Bah très sérieusement, pourquoi pas hein, pourquoi pas. Faut juste que qu'on garde un un œil sur les nouvelles releases et voir si lors d'une nouvelle release il y a des choses intéressantes et que c'est pas juste une version mineure lambda avec trois pauvres correctifs, tu vois. Là, ce qui était intéressant avec la dernière Alpine, c'est que tu avais donc cette histoire de Tiny Cloud, tu avais notamment pas mal de modifications qui viennent faire gagner de l'espace disque. Donc Alpine Linux était déjà légère, mais elle l'est encore plus en version 3.18, pour peu qu'on le veuille. Mais parfois ça peut se faire au prix de certains trucs parce que typiquement, on peut donc ne pas avoir les fichiers Python précompilés pour gagner de la place, mais j'imagine que ça se fait au prix de la performance parce que tes fichiers Python précompilés c'est fait pour être plus rapide. Alpine Linux est-elle en version RISC 5 ? C'est une excellente question. On va aller jeter un œil, tiens. Alpinelinux.org. Tac. Alors, downloads. Qu'est-ce qu'on a comme... Je n'ai pas l'impression. On a AArch64, ARM v7, PPPC, PowerPC 64 bits, Little Endian, S390X et... c'est assez notable maintenant, alors je sais que Debian le fait aussi, mais pas mal de distributions Linux se sont débarrassées de l'architecture x86, et Alpine Linux fait partie des distributions qui l'ont encore. Donc bon, AArch64 c'est donc ARM 64 bits, ARM v7 c'est les ARM 32 bits, PPC 64LE, ça doit être les PowerMac G5, non? À moins qu'ils soient en Bing Endian, les G5. Ou d'autres architectures Power, je pense à des trucs de chez IBM. S398, S390X, je ne sais même plus c'est quoi comme machine. Bref, toujours est-il que Alpine sur S386, ça doit envoyer sur les mainframes. IBM System 390. Ok, c'est de l'IBM. Une architecture matérielle 32 bits d'IBM pour des mainframes. Non mais... mais qui a encore ça? Enfin... Il y a des gens qui auraient encore ça et il y aurait des gens qui sont prêts à faire tourner Alpine Linux dessus. Ou alors une autre distrib. Parce que si Alpine Linux est dispo, c'est peut-être aussi pour les conteneurs. Puisque Alpine Linux est très utilisé en conteneurs Docker. Les mainframes, ça fonctionne et ça se vend encore. Oui, mais quand même, si tu achètes de l'IBM, c'est pas pour coller une Alpine dessus. C'est quand même fou. Les modèles varient en termes de fréquence d'horloge et nombre de cœurs, allant généralement de 1 à 32 cœurs. Regarde RHEL. Oui, bah oui, non mais à la limite de la Red Hat, je comprends. Je comprends de la Red Hat. Surtout qu'en plus maintenant que Red Hat appartient à IBM, enfin voilà, c'est je comprends parfaitement. Mais Mais ça me surprend qu'il y ait des gens qui soient prêts à installer de l'Alpine Linux, quoi. Tu me dirais, Debian prend en charge S390, je te dirais, ouais, ok, je peux comprendre. Si ça se trouve, il y a des gens qui ont, pour une raison ou une autre, mis en place du système 390 dans le passé, et l'entreprise est passée en mode serveur Linux Debian, donc ils réutilisent le matériel. Est-ce qu'en anglais, il y a un peu plus de détails, hein? English. Septembre 90, les premières versions. Oh là là. Oh là là. Air Cooled Standalone Model. Non, il y a eu des serveurs Liquid Cooling. Air Cooled. Water Cooled Model. Non. Des groupes comme Total. Ah, mais que les choses soient très claires. Je dis pas que c'est pas utilisé. Ah d'accord, c'est ce qu'on appelle les AS400, c'est ça? Mais donc les trois quarts du temps, ça tourne sous AX en fait, non? Operating System. Ah non, ils ont des trucs spéciaux. Ok. S390, c'est différent de S400. Ok. Bref, bon, si ça marche encore. Hein. Mais je serais étonné que des gens fassent tourner Alpine Linux dessus. Toujours est-il que pour en revenir à notre truc, alors j'aurais pas le temps de faire de l'agrégat de liens, de faire du LACP. Aujourd'hui, puisqu'il est déjà 19h48, et je ne saurais pas trop quel setup on pourrait faire, mais déjà là, on a réussi un truc sympa. On a un firewall, alors il est virtuel, mais il a une interface physique, une seule interface physique, et il arrive malgré tout à faire du firewalling et à aller d'un réseau à l'autre. Et donc, si on essaye de schématiser un peu ce que j'ai fait, au niveau VM et tout ça, si je reprends... Non. Est-ce que j'ai d'autres trucs là? Si, ouais. Hop, j'ai ça. Si je rajoute ça ici, hop, j'ai donc ma machine, comment elle s'appelle déjà? FWL test. Ah oui, FWL test client 0. Hop, on va lui faire la même taille que l'autre. Voilà. J'avais pas un truc plutôt firewall? Si, voilà. Hop. Là, ce sera mieux. Hop. Ça, je vais l'enlever. Puisque finalement, on firewall. Tac. Non, je peux en mettre deux. Je peux changer le nom. Et donc, on l'a appelé VLAN Sense. Hop. Et donc, finalement, on a ici... Ah oui. Hop. Voilà. On va peut-être le mettre un peu plus gros quand même, histoire que vous y voyez quelque chose. 16 points, ce sera pas mal. Hop, voilà. Toi aussi, viens voir par là. Hop, 16 points, ce sera pas mal. Voilà. Et donc, on a notre SG300 avec un autre lien qui va venir. On va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Et là, il y a juste VLAN 13 non tagué, untagged. Hop. On va mettre 16 points, histoire d'être quand même un peu lisible. Pareil ici. Ah, ah bah non, il a changé le... Hop, voilà. Et on a dit 16 points. Tac, voilà. Donc là, c'est assez cool parce que, mine de rien, notre trafic, en fait, quand il est initié depuis notre VM, en fait, il sort par l'interface physique. Par l'interface physique du serveur HomeLab pour aller sur le switch, pour aller ensuite sur l'autre interface physique du HomeLab, sur le firewall. Le firewall va envoyer le trafic par cette même interface physique pour ensuite aller sur le Cisco, puis sur le HP, puis hop, et viens voir par là, toi. Hop, on va le mettre là. Hop, et là, lui, on va l'appeler juste box. Voilà, et on va remettre ça ici. Hop, voilà, et on va mettre. Voilà, et là, c'est Ethernet. Ethernet VLAN 6 untagged. Et on peut aller chercher un petit nuage. Je dois avoir un truc ici. So, tac. Et voilà, j'ai un petit nuage qui désigne l'Internet. Salut Pragma Cloud. Hop, allez, toi aussi. On va être 20 points carrément. Voili, voilou. Alors, il me faut quand même... Hop. Ici. Tac. On va te mettre là. On va le mettre là. Voilà. Et toi, tu vas bouger. Et là, on met... Hop. Et on met FTTH. Tac. Draw.io versus Excalidro et le nouveau Vim versus Emacs. Excalidro, ça ne me dit rien du tout. Tu m'apprends son existence. Écoute, j'ai envie de dire, j'irai jeter un œil à l'occasion. Merci beaucoup. On verra si ça, si pour moi ça change quelque chose de passer à l'un ou à l'autre. On va le mettre comme ça. Voilà. Et là, les VLAN ici. Voilà. Toi. On te rapproche. Mais ça m'a l'air pas mal tout ça, dites. On a fait un truc qui est sans doute complètement inutile, mais c'est juste pour s'exercer. Et moi, je trouve ça très drôle. Je trouve ça très drôle. Alors, ce qui serait marrant... alors, est-ce que j'ai... un rectangle. Hop. Donc aujourd'hui, hop, hop, on va passer avec cette couleur là et on met tout back. Voilà. Donc en fait, ce que je viens de mettre dans le rectangle, ce sont des machines virtuelles, mais qui sont reliées à une interface réseau physique. Il faudra que je fasse autrement dans ce cas-là mon schéma, que j'indique les interfaces physiques. Et que j'indique le nom de l'hyperviseur, mais globalement, on en est là. On en est là. Bien. Eh ben, je me suis bien amusé, moi. J'ai l'impression que j'ai fait un truc complètement inutile, mais quand même assez amusant. Ça aurait été sans doute encore plus drôle si on avait effectivement utilisé IPFire. Ça aurait été encore plus drôle. Juste pour être sûr, tu as monté l'interface physique dans le firewall. Tout à fait, The Vengeur. Je peux te montrer ça, si tu veux bien. Je vais aller ici. Alors, non. Hop. Il est là, le VLAN Sense. De toute façon, il est là. En fait... en fait, il est où le... Il y a écrit là PCI quelque chose. PCI quelque chose. Et c'est bien l'interface du switch. Alors je sais que c'est un petit peu petit, je peux pas zoomer avec Virt Manager, mais on peut même regarder sur Marvin. Si je fais un IP link hein, par exemple, tu remarqueras que il a la ENP4 S0F0 et la S0F3. La 1 et la 2 ont disparu. Alors pourquoi pas un VSwitch? L'idée c'était quelque part l'objectif de ces streams, c'est de maniper de l'interface de la clé Cisco. J'aurais pu prendre des machines physiques et les brancher, sauf que 1, j'ai plus assez de prises, 2, il fait chaud, et 3, il se trouve que j'avais des interfaces réseau entre guillemets en trop sur la machine HomeLab, donc je me suis dit brancher 3 câbles au lieu de brancher 3 machines de plus, ce sera plus facile à gérer. Question bête, si j'ai un routeur dans mon schéma réseau, est-ce que cela signifie nécessairement qu'il s'agit d'un WAN? Alors, WAN c'est hors de ton réseau local, comme dit Inksé. OpenVSwitch. Mais ceci étant, on pourra peut-être faire joujou avec OpenVSwitch. Puisque je ne sais pas trop comment ensuite je vais faire mon LACP, mon agrégat de liens. Faudra sans doute que je reprenne l'interface physique qui est ici, là, le port VLAN, l'interface physique qui est en VLAN 13 untagged, qui est sur la machine cliente. En fait, je vais lui reprendre pour prendre l'autre interface et les relier ensemble. Et je vais sans doute mettre ça dans une VM. Après, ce qui sera ennuyeux, c'est que je vais avoir une machine avec un agrégat de carte réseau, mais elle va être un peu toute seule dans son réseau, ce serait dommage. Donc, il y a peut-être moyen, peut-être qu'on fera joujou avec OpenVSwitch pour faire en sorte que, quelque part, il y ait du VLAN 13, alors je sais pas trop comment. Parce que honnêtement, à part repartir sur le HP, et faire en sorte que l'interface de base du HomeLab passe en... Elle garde le VLAN 6 untagged, mais elle prenne le VLAN 7 tagué pour aller emmener le VLAN 7 dans l'hyperviseur. Ou alors qu'à un moment, je me mette à brancher d'autres machines, tout simplement. Mais ça va devenir un peu... Ou alors, j'arrête de faire mon truc trunk, hein, je casse le tout, et je mets juste 2 machines dans le VLAN 13. Je sais pas encore trop comment je vais faire mon LACP, je pense qu'il me faudra, des trucs en plus. Mais je vais avoir un petit moment pour y réfléchir. Mais OpenVSwitch, ça peut être une bonne piste pour essayer d'amener le VLAN 13 dans les machines virtuelles. Donc très clairement, ce setup n'est pas un setup Ce setup n'est pas un setup à refaire en prod, absolument pas. Je l'ai fait juste pour faire joujou avec les VLAN au final et pour pouvoir dire voilà, j'ai un firewall avec une seule interface réseau. Tu connais pas bien Libvirt, mais oui, probablement OpenVSwitch. Tu peux avec KVM, mais c'est ultra limité. OpenVSwitch, c'est l'usine à gaz pour virtualiser le réseau comme la couche NSX de VMware. Ah, tu pensais plutôt à un VSwitch simple type VMware ou Proxmox. J'hésite à réinstaller le HomeLab en Proxmox, hein. Sans NSX. Oh punaise. Ah, VMware et NSX, j'y ai jamais touché, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être un sacré bazar. Bien. Bah, vous savez quoi, il est 20h01, je crois qu'on va pouvoir se dire au revoir. Mais avant, NSX c'est violent. Oula, à table. Ça va être un peu ça, hein. C'est vrai que mine de rien... Puis moi j'ai plus d'eau, je peux plus m'hydrater. J'ai plus d'eau, voilà. J'ai plus d'eau, donc fin de stream. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a amusé autant que moi. A priori, vous êtes encore nombreux à être restés, et ça c'est cool. Même si en ce moment je mets plus de musique, parce que j'ai eu des blagues avec le... avec ce que j'utilisais pour comme musique libre droit, que j'ai pas configuré la sortie audio numéro 6, ce genre de choses là, enfin la piste 6 pardon. Port groupe on appelle ça chez VMware. Oula. Pour l'instant j'ai pas très envie de tester VMware pour le moment, en tout cas pas sur le HomeLab. Donc. Comme d'habitude. Alors je stream habituellement les jeudis et les dimanches, mais comme je l'ai dit en début de stream, les prochains lives, c'est pas avant le 25 juin. Donc on refera de la bidouille réseau. Habituellement je stream les jeudis et les dimanches, et justement bah, on allait peut-être commencer un nouveau sujet un jeudi. Et oui, tout à fait, le raid musical qui arrive, histoire de finir le week-end de façon légère. Je sais pas, je vais peut-être passer pour un vieux, mais il fut une époque où le dimanche soir, ça rimait avec des dessins animés sur une certaine chaîne de télévision. Eh bien, cette fois-ci, les dimanches soirs vont rimer avec... oui, tout à fait, Xavier et Inks, c'est exactement ça. Mais là, les dimanches soirs vont rimer avec musique. Alors, France 3, je savais pas que... alors oui, tout à fait, Nidouille, tu es en concurrence avec moi certains jeudis, mais en fait, là, c'est pas une question de concurrence pour lesquelles je ne vais pas streamer les jeudis qui viennent. C'est juste que je serai pas dispo, en fait. Comme j'ai déjà dit, je crois que je vais démarrer les astreintes à mon boulot. J'ai d'autres indispos divers et variés, donc j'ai indiqué normalement dans le Discord les jours sur lesquels je vais streamer et les jours sur lesquels je ne vais pas streamer pour le reste du mois. Ceci étant, justement, c'est l'occasion de vous dire que vous pouvez rejoindre le Discord si vous voulez pour qu'on discute entre les streams. Vous avez aussi sous le bandeau les réseaux sociaux, mais vous pouvez faire !socials et aller sur anotherhomepage.org pour retrouver toute la liste des réseaux sociaux sur lesquels je suis présent pour pouvoir papoter entre les streams. Voilou. Bah, merci pour le soutien, Nidouille. On va espérer que ça se passe plutôt bien. Et puis j'espère que tout ira bien. On croise les doigts, on va être optimiste. Hein. Voilou. Comme d'habitude, je vais mettre la page de fin de stream, mais restez pour le raid. On va aller raider Adrien de Linuxtrix. Voilou. Bonne fin de week-end à toutes et à tous. Bonne semaine. Et puis on se donne rendez-vous dans bien 15 jours. Allez, ciao.